plus dramatique et plus émouvante, la découverte de ce qu'il reste des hommes qui ont sombré avec le bâtiment un jour de printemps 1943. Des milliers d'hommes sont morts à Raboul, au cœur de cette barrière de corail aux couleurs idylliques. Mais des sinistres vestiges qui la peuplent, la nature a tiré son profit. Seule gardienne silencieuse de ces cercueils d'acier, la faune exotique des eaux proches de l'équateur a trouvé là une niche écologique à sa mesure. Partout, dans les moindres recoins des vieux bateaux rouillés, sur lesquels jamais la lumière du jour ne vient jeter d'éclat, dorment des poissons multicolores et paisibles. Après un dernier regard au peuple du silence, les yeux remplis des souvenirs palpables des terribles combats qui ont réglé voilà un demi-siècle le sort du Japon, les hommes remontent du fond du Pacifique en lui abandonnant ses lourds secrets. Enfouis au cœur des océans ou au plus profond de la Terre, bien des traces de l'histoire du monde et des civilisations ne suivront hélas jamais pour nous l'ascension de ces bulles qui montent vers la lumière.